Bon, il y a une autre vidéo pour faire suite à la vidéo précédente où on voit Max cracher quelqu'un. Donc, voyons. Hein. Là, on a le onboard. Là, on peut pas dire non, mais s'il a pas fait exprès. D'accord. 15 secondes, ça dure. Regardez Max qui prend des trajectoires innovantes à Spa. Il refait le circuit. Super Max, il est trop fort. Bravo, Super Max. Il a sa cible. Max, il a vu sa cible. Cible. Cible acquise. Attention. Let's go! Boom! Oh là là, la raclure. Oh la raclure, il a vu que il s'est dit là c'est Hamilton. Là c'est Hamilton, je le crache, c'est sûr. Non mais enfin. Oh, je pense qu'il s'est dit. Il a fait exprès de me cracher, je vais me venger, mais il a peut-être pas fait exprès en fait. C'est peut-être que le mec en question, il s'est fait pousser par un autre déjà. Hein? Au lieu de réfléchir, non, tu craches direct les gens, toi. Bah, en vrai, ça nuit à l'image du sport auto. Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que la F1 ne devrait pas le sanctionner des points sur son permis ou je ne sais quoi ou... Alors, peut-être pas un ban d'une course en F1, ça serait peut-être un peu exagéré. Mais, je sais pas, lui taper sur les doigts un peu, là, parce que là, les pilotes, les jeunes pilotes, ils voient ça, ils vont faire quoi? Enfin, quel exemple il donne, le champion du monde de F1, en titre, à la jeunesse, en fait? Là, c'est chaud quand même. Non, non, il montre pas l'exemple. C'est scandaleux, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez-vous?